précédemment à Occupation Double. Alors les filles, il va y avoir 9 garçons. Vous allez classer les garçons. C'était si bon l'épisode hier. C'est méchant. On a décidé de switcher. C'était si chien ça aussi, guys. Michael, Alexa et Mamadou, les filles ont assuré votre place à Occupation Double. Avant de commencer, par contre, Mexico! Mexico! Alright, bon cinéma, c'est bon. Pourquoi vous êtes avec des filles? Ce soir, à Occupation Double. Donc les gars, vous allez d'abord classer les filles. Oh, ouais, j'aime pas ça. Parce que ça va faire. Ok, là, c'est le tour des boys? Non! Hé, hey, j'en parle, puis j'ai vraiment la boule. Non! Mais tu peux pas t'empêcher de vivre par peur non plus? Ah, fait que le son est correct. Parce que ma dernière vidéo, on me dit dans les commentaires que le son était pas assez fort. Fait que je veux juste être sûr que tout est good. J'en ai pas de maillot. C'est beau le Mexique, c'est man. Maillot, j'en ai plein pour toi si tu veux. Attends, je vais te passer le bas. Impossible. C'est passé quoi la nuit passée, Big? Ça irait bien avec ma couleur, par contre. Moi, je mets lequel? Attends que t'as le choix. Choisis lequel. Ok, ils sont proches, là. J'en ai un noir. Moi, je suis un gars en black, man. J'aime ça. Moi aussi. J'aime vraiment ça. En plus, ça sent tes traits. Ça va être dans le bac de... À tantôt. À tantôt. Ils sont déjà en amour. Ça fait littéralement une journée qu'ils sont ensemble. Ils sont déjà en train de choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre ensemble. Vous allez faire genre des omelettes, genre? Comment qu'on fait? Colline, là. Elle vient-tu te demander comment qu'on fait des omelettes? L'affaire la plus basique au monde. Il est où mon lait? Lait? Ouais, probablement. Ouais, juste une bouche noire, là. Ouais, attends, je trouve ça. Attends. Est-ce que vous avez besoin d'aide? J'ai good life. Ça sert à rien. Fouah! Ok, chiche! Elle vient voir les soeurs, Félix. Yo, c'est pareil. Tabarnak! Le monde s'est rendu proche pour vrai? J'accepte, j'accepte. J'ai good life. Ça sert à rien. Fouah! Allô, dame! Yo, c'est pareil. Dernier jour, encore un. On va je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Elle me regarde de loin maintenant, c'est rendu genre. Elle me regarde de loin. Le regard! Je mange pas de jambon, pas de problème. C'est que des temps, c'est que des temps. Ben oui! Fouah, guys! J'ai eu Montréal. Vraiment, moi aussi, legit. Et moi, je voudrais aller sur le Mont-Royal, pis t'as comme. Je croise plus de monde que j'en ai croisé en un an. Le gars de Gaspésie, genre. Mais oui. Mais là, toi, t'allais tout seul dans le fond là-bas? Avec mon chien, là. C'est nice, sérieux. La vie doit être paisible. Le cas, c'est vraiment tranquille, là. Genre, j'entends les vagues. Y'a une good vibe. Je suis ambulancier, j'ai de l'expérience en haute montagne. J'étais peut-être dit que je pourrais essayer de juste passer mes journées à monter des fucking sommets et être payé à faire ça. Oui, Vincent, on réagit à Occupation Double comme à chaque année. Ah, ben bonjour! Le fit à Ali est malade. Comment ça se passe, la colocation? Tu sais, quand même, maison mixte. C'est super, on commence tranquillement, pas vite, à donner comme les rôles. Les rôles? Ouais, ben les... C'est qui la cuisinière? Qui est le ménage? Et puis, tu sais, c'est un peu... Tu sais, ça peut être gênant d'avoir des nouveaux colocs aussi, c'est intimidant. On aurait une petite idée de jeu pour vous dégainer. Ouh! Premier jeu de l'année, man! Vous avez fait travailler fort quand même pour le tapis rouge. Oui. Vous avez dû classer les gars de 1 à 9, sans les connaître, après une présentation de 2 minutes. OK, c'est live! Donc là, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait inverser les rôles. Les gars, vous allez devoir classer les filles. Non. On va vous poser des questions. Life. Vous allez devoir vous entendre ensemble sur quel rang classez-vous les filles de 1 à 6. Fait que là, comme c'est notre tour de prendre juste le contrôle de la situation et de faire les choses. Ça commence déjà à intense, man, je capote. À date, OD, c'est malade, Eternia. J'ai react hier, si jamais t'as pas vu le tapis rouge. C'est disponible sur YouTube. Mais à date, c'est vraiment hot. Je peux aller comme faire toi, c'est premier, deuxième, troisième. Donc la première question, les garçons. Quelle fille, selon vous, veut le plus trouver l'amour. Oh!
Mettons là, qu'on regarde les 6 participantes. Je dirais elle, honnêtement. Je pense que toutes les filles sont là pour trouver l'amour. Mais pour les classer. Ouais, mais il y en a qui a un peu plus de comme ah, moi ça va pas venir me faire comme. Mettons dans l'autre groupe, Maui, il y a la fille. La maman. Wix Big! 4 ans, tabarnak! Merci pour le resub! Ça va pas me détruire si je trouve pas au deal. Je me rappelle la conversation qu'on a eue, ça je m'en rappelle. Mais semble que tu disais comme quoi. Non, Shaina. Mais semble que tu disais comme quoi. T'étais vraiment à OD pour principalement trouver l'amour, plus que comme. Venez créer des relations. Fait que je la mettrais juste numéro 1, mais pour le reste, je vais vous laisser délibérer les boys. Oh, OK. Thanks, man. C'est chiant pour les boys. Je plus, mettons, Mel, Anna, soit en deux ou troisième. Ça, ouais, de même. Moi, je dirais... Hey, vous patinez, les gars. C'est vrai que la mère, elle a de l'air... elle aime ça, mettons. Je t'as pas l'air d'accord. Je trouve que Kat, la façon que tu parles à nous trois, c'est peut-être un peu plus flirting que les conversations que j'ai avec les 6 autres filles. Fait que je te mettrais peut-être un peu plus vers là-bas. Toi, Stéphanie, est-ce que t'es là pour trouver l'amour? Ou... Voyez-moi, Kat, je pense que c'est la blonde ici. Juste la voir aller, j'avais l'impression que c'est elle qui cherchait le plus l'amour de la gang. Oui. Of course. Mais c'est ça, j'ai 31 ans, donc je serais pas là si ça serait pas pour ça. Mais j'ai 31 ans, là. Les gars, faut venir me chercher, moi. J'ai plus l'énergie. Oui, rendu là, man. Je vais vous. Prochaine question. OK. Oh. Il y en a quelques-unes, hein? C'est les regards, c'est... Quelle fille a fait la meilleure première impression jusqu'à présent? Mais on a toutes eu des différentes impressions. Parce que ça va faire tellement de conflits dans la maison. Nous, on habite avec genre 24 heures sur 24, hein? Ah ben, comme si on le savait pas quand on est... Moi, j'aimerais ça mettre Steph un peu plus à la gauche parce que le fait qu'elle aille cuisiner puis aussi qu'elle aille jouer de la guitare pour nous, elle nous a joué une chanson, genre Steph. Ukulele. Vraiment, vraiment cute. On va mettre en premier, je pense. Elle gagne des points, man. C'est tout pour moi aujourd'hui. On parle de première impression, mais de façon générale, mettons, de vibe dans la maison, tout ça. Autant que Steph t'amène le côté zen, ce qui est vraiment nice, mais ouais. Sab, je trouve que... Sab! Ça commence mal! J'étais confus qui Sab. Je pense encore à Sab, je pense que c'était l'année à Robin, genre. On pourrait-tu m'envoyer? Ça, c'est bad, là! C'est comme si, mettons, tu fréquentes une fille, tu te trompes de nom. Tu l'appelles, mettons, elle s'appelle Marie, tu l'appelles Carla. L'aide. Je sais pas si c'est... So bad! Christina. C'est Christina. Fait que je te mettrais pas loin de Steph, genre deuxième. Deuxième. Ah, genre. Moi, je laisserais peut-être à Anna puis Catherine là. Oui, moi, c'est correct. Oh, Seigneur. Ça chicote un peu quand même. Quelle fille a l'air d'embrasser le mieux? Oh! C'est une belle question, ça. Ben, j'imagine que plus t'es vieux, plus t'as eu le temps de pratiquer ton art, plus tu... Je dirais, là, je pense que c'est Alex. Je vais essayer de me rappeler des noms pour les prochains épisodes. Je pense que c'est Alex. J'ai un feeling. On va y aller avec l'âge. Je fais que la plus jeune, la plus... Ouais. Je comprends pas comment vous avez pu penser ça. Mais bon, c'est vous. Je pense pas nécessairement que c'est le nombre de relations ou l'âge, parce que moi, personnellement, j'ai une relation de 6 ans. Je suis vraiment susceptible, fait que je l'ai vraiment mal pris. Mais ils te connaissent pas. Je pense que je me donne un 8.5 sur 10, personnellement. Okay, personne ne le sait encore, à moins qu'il y ait eu un bec qu'on soit pas au courant. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient déjà prêts à faire des démos? Des démos? Oh! Vous voulez faire une démo? Nous, on... Wait! Un petit bisou, pas de suite. Pas de suite, un petit bisou. On vous laisse voir. C'est quoi qui se passe à OD cette année? Les filles qui s'en passent entre vous, genre, je sais qu'il y a des filles qui s'en passent. Non, mais il y a des filles qui font ça, là. Vous, les garçons, langue, pas langue? Qu'est-ce qui se passe? J'irais dans un lit plus de langue que comme debout. Je sais pas pourquoi, mais ça fait juste du sens pour moi. Ouais, ça va avec l'horizontal ou l'autre. Quand t'es debout, elle reste comme... Bon, c'est débile, le droit, hein? Sont animales, les gens, occupation double cette année. Oh my god! Les filles, bravo! Merci de vous être prêtes au jeu. Fallait vous rasseoir. Bravo, messieurs, ça a été facile. Yes. Là, on va vous demander de vous classer entre vous. Donc, faites-vous lever. Ah! Oh. C'est moins le fun, hein? Ouais, c'est moins le fun. Hein? On a déjà passé par là. C'est là, puis c'est beaucoup moins stressant, on dirait. Donc, les gars, vous vous classez vous-même. Okay. Et vous êtes spectatrice. Okay. Et la question est la suivante. Quel gars, selon vous, plaît le plus aux filles? Moi, je pense que
première impression. À cause de la grandeur. 6 pieds 8, genre, c'est le dieu, legit, le rêve de toutes les filles. Je te mettrai en premier. Ça va. Je m'en vais. Puis moi, j'aime pas ça, la chicane, fait que je vais rester ici. Parce que la décision est ça. Moi, ça me va comme ça. OK, oui. Ouais. Parfait. Je pense que c'est trop tôt aussi pour dire qui plaît plus ou moins aux filles que quelqu'un d'autre. Je pense que ça reste à développer. Mais legit, on dirait qu'il n'y a aucune fille qui trippe sur aucun de ces gars-là. On dirait dans l'autre maison, il commence à avoir des petits rapprochements. Cette maison-là, j'ai pas le feeling que personne est intéressé par personne, on dirait. Ah, la mamie, c'est incroyable, droit. Elle a l'air de partir à la chasse comme si elle avait jamais chassé, genre. Et puis que ça va savoir probablement dans les prochains jours qui plaît plus ou moins aux filles. Ben écoute, Mamadou, on va te croire sur parole. Nice talk. Malheureusement, en te plaçant au troisième rang. Ah non. Non. J'annonce que tu dois faire tes valises. Ah. Et de tes adieux à tes colocataires. Quoi? Ah. Arrête. Il s'en va dans l'autre maison. Je le call. Ce gars-là s'en va dans l'autre maison. On l'a avec les autres filles. C'est sûr qu'il s'en va pas à la maison, là. Après la pause, à Occupation Double. Je veux juste vous dire que vous êtes toutes vraiment incroyables et magnifiques. Je me sens mal, là. Vraiment, OD, cette année, pas correct. Les twists, c'est malade, cette année, là. C'est twist par-dessus twist. Impossible. Oh non! Oh man! C'est pas grave. C'est... Hey, OD, c'est rough cette année-là. C'est vraiment rough. C'est vraiment pas grave. Bon, bah, Madou qui voulait être juste gentil, man. Ah, je n'ai juste des points. Oui, t'inquiète. On va t'aider à faire tes valises, allons-y. Bah non, on va venir avec toi, man. Moi, je trouvais ça quand même drôle, l'activité, jusqu'à temps qu'il se passe de quoi d'autre de moins drôle. Ça va être des twists 24-7 cette année, man. Ça va être malade, guys. Moi, je pensais pas que ça allait être important. J'étais comme, moi, je m'en foutais, là, que ce soit tout. Mais c'est pas grave, les gars. Ça a été un ou trois, anyways. Si je quitte la maison, je veux juste vous dire que vous êtes toutes vraiment incroyables et magnifiques. Puis c'est ça, genre de vous. On se revoit ici. C'est rien. Toujours les good guys qui se font faire une histoire de même. Toujours. Il s'en va pas, il n'y a aucune chance. Moi, ma réaction quand on a dit que Doudou partait, c'était ce... Ça m'a vraiment fait de la peine de le voir tourner son oriflamme. Je sais pas pourquoi, ça m'a... Hey, j'en parle, puis j'ai vraiment la boule, là, genre. Comme quoi t'élimines le gars que les filles sont plus intéressées, comme... Imagine, il va en voyage, man. J'étais ben oui, il part en voyage. Moi, je pensais qu'elle allait en voyage au Québec. Moi, je suis brûlée de beaucoup d'émotions. This guy! Encore armée d'énergie, malgré que je suis brûlée. Je suis prête pour un autre twist. Je vous souhaite un bon reste d'aventure, si jamais... Non, c'est sûr que c'est day one, mais... Ouais, faut qu'il s'habitue. Je me dis, t'as raison. Mais l'autre maison, c'est quand même déjà plus proche, puis c'est day one aussi. On se voit bientôt. Oui, on se fait un gros hug. Gros hug, bonne chance à vous, pour vrai, vous êtes des personnes incroyables. Vraiment, OD, cette année, pas correct. Ça a vraiment comme confirmé qu'on est dans une game. Tout peut arriver vraiment, là. Hey, c'est quoi ça, man? On apprend que là, c'est à notre tour que... And boys, là, faut se placer. Comprends? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tout va là, pis merci, bonsoir, on n'en parle plus. Merci, bonsoir, on en parle encore. Je réalise pas qu'est-ce qui vient de se passer, pis je me sens complètement mal, là. Non, je comprends que tu te sens mal, mais genre, on était tous en mode on joue, on s'en fout. On banalisait ben raide, là. Comme vous autres, allez vous rassurer les filles. De voyou content, droit. Nous autres, genre, la grosse décision. C'est pour ça, nous, on pensait qu'il allait avoir plus de questions, genre, justement. Oh my god, j'étais tellement triste de voir Mamadou partir. J'ai eu les larmes aux yeux un peu, pour de vrai. Sur cette tristesse plus qu'incroyable, si c'est pas déjà fait, like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Mamadou. Yes. Je sais que c'est rough un peu. C'est jamais facile de faire ces annonces-là. En effet. Comment tu sens de laisser la maison? Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais écoute, je suis content d'avoir pris la décision par moi-même. Quel impact tu penses que tu vas laisser dans la maison? Je pense que le monde va se rappeler de moi comme quelqu'un qui avait une belle énergie et qui était enthousiaste. C'est un plaisir de t'avoir avec nous cette année, mon gars. Merci beaucoup. Il s'en va pas, il y a une twist. Guys, il y a aucune chance qu'il s'en aille déjà. Il y a aucune chance. Il prend bien par contre, good guy, mais il sait dans sa tête qu'il s'en va pas. Il y a aucune chance qu'il parte live. Mais là, juste pour que ça soit clair, dans le fond, tu pars pas d'ici, tu t'en vas juste dans l'autre maison. Sérieux. Hey, je t'ai dit qu'il y a pas de le garder, mon gars. Pourquoi vous me faites ça? Écoute, là, tu vas avoir l'immunité pour la prochaine élimination. Parce que quand même, tu vas intégrer la maison. On veut te donner une petite chance. Ouais. Apprendre à connaître tout le monde, c'est normal. Mais ça continue, mon gars, c'est pas fini. Merci, frère. Oh my god, ok. C'était sûr, là, c'était con, sinon?
En même temps, on n'a aucune idée qui... Qui veut qui? Yeah, we're back on track. On est qui sont assez obvious. Ouais. Comme qui? Ah oui, check-toi ton sourire. Tu penses que tu nous fais le bluff, hein? Rouge, rouge. C'est rouge. C'est pas le bleu. T'es rouge. T'es rouge tomate. Ben non, j'ai chaud. Donc, tu l'aimes bien? On a comme on aime les mêmes intérêts, je pense. Mmh. T'es aussi quand même en train de développer une complicité avec... Ouais. Ouais. Mmh. Ben, toi? Je le trouve vraiment cute, Carl. Puis Étienne. Oh, c'est super sweet. Ouais. Là, il y a Mamadou qui s'en vient. Il y a plein de côtés que j'apprécie chez chacun des gars. Bien sûr. Puis je trouve qu'ils ont vraiment de la profondeur, puis j'adore ça. Jimmy, j'ai hâte qu'ils se déneigent. Non, ils sont vraiment ravissants. Tu sais, ils sont bons, capote. Là, on est au Mexique, à la neige. Mais avez-vous remarqué que Félix n'a fait aucune cuisine? Il a coupé l'oignon. Il y en avait ben du coup, en plus. Vraiment, ah, des points, un mec. Oignon à l'œuf. Mettez-vous les œufs avec votre oignon. Imaginez, là, il nous demande, OK, t'as une activité, tu vas avec quel gars de l'autre bord? Mais nous, on n'a aucun visuel de l'autre bord. Vous direz avec lequel, avec les informations? De l'autre côté? Ouais. Alexa ou Mamadou? Alexa. Alexa. Ah oui, elle se colle pied 8. À occupation double. Première sortie des maisons. Feriez-vous savoir qui part? Oui. J'ai hâte de voir les activités cette année. Est-ce que vous pensez que je m'auto-sabote en niaisant trop? Parce que je fais souvent ça dans ma vie. Mais non. Tous les gars aiment ça, les filles qui ont un sens à l'humour. Mm-hmm. Souvent, je trouve que quand tu dates, t'as pas la chance de montrer comme tes vraies couleurs directes. On a tout le temps l'air des filles stiffes, superficielles. C'est tout le temps le moment à place, je trouve. Dater quelqu'un pour la première fois, c'est tout le temps le moment que t'as aucune idée avec qui tu parles. Fait que le fait qu'en une journée, j'ai pu montrer au gars que j'étais vraiment justement super drôle, que j'ai vraiment un gros sens de l'humour, c'est sûr que c'est un couteau à double tranchant parce qu'il me voit moi comme une séductrice, mais plus comme une fille vraiment drôle puis un peu chummy-chummy. La fait, c'est ça, c'est que même si t'en trouves un qui te plaît, les chances que toi, tu lui plais sont comme de, tu sais, 25%, genre. C'est tough à O2 parce que t'es dans un jeu. C'est moi, c'est comme j'ai le côté de moi-même qui veut vraiment comme rencontrer quelqu'un qui ça va fonctionner. Mais. Mais je pense que tu as déjà trouvé quelqu'un avec un potentiel. C'est pas un blocage, mais je me dis, est-ce que je me laisse simplement aller à avoir des feels, puis finalement, genre, la fille, elle se pose dans l'autre maison. Elle met un boy que clairement que ça va être un gars qui va être nice parce que tous les gars sont nice. Mais tu peux pas finalement... t'empêcher de. Le gars, il est insécure, il manque de confiance. Vivre pour, par peur non plus? Oui, il y a une personne comme que je vois. Pourrait peut-être quelque chose à un moment donné. T'as-tu vu que tu as ces choses? Sûrement. Normal. Moi, je trouve qu'on est dans un jeu. La corona au deux serait malade. Pour tous les aspects pour tomber en amour, pour être gaga, pour au moins vivre ça. T'auras jamais des dates aussi belles de toute ta vie. T'auras jamais pas ta routine de vie, justement. Là, t'as tout le temps à 100% à dédier à cette personne-là, genre. C'est vrai. C'est vrai. Ils savent pas ça veut dire quoi, se faire rentrer dedans? Se faire rentrer dedans? Non. Hein? Non, rentrer dedans, c'est genre... Hein? Quoi? Oui, alors? Hein? Descendez en bas! Ouais. Tirez-vous une bûche chez vous. Ça fait deux jours dans les restes de bien. Désolée du petit froid qu'on a causé plus tôt avec le départ de Mamadou. On s'excuse. Mais essayez de vous remonter le moral avec la première sortie des maisons de la saison. Alors, malade. Nous en vont vivre une petite activité romantique avec une immersion dans les traditions ancestrales mexicaines. Wow. Aimeriez-vous savoir qui part? Oui. Alexa, puis quelqu'un d'autre. Alexa. Ouais. Tellement fort. Avec Catherine. Nice. Qui est-ce pas Alex, c'est Kat. Là, faut que ça me rentre dans la tête. Catherine, elle qui ressemble à Claudie un peu. Ça, c'est-tu elle? Je pense que oui. Catherine, je suis vraiment excité. Elle est super cool. J'aurais pas pu demander mieux. Alexa, je le trouve vraiment charmant. J'ai vraiment hâte de voir enfin ma carrière Alexa, mais je suis extrêmement stressée. Ah, elle est cute, man! Mon Dieu, la pauvre, comme je pense que vous allez devoir faire vos bagages. C'est bon! Ça va être le fun, genre, t'es la petite. T'es une première activité. Elle dégage de quoi, pour vrai? T'as raison, Drouin, qu'elle est cute à mort, man.
C'est fou, man. C'est capoté. Mon plan de match, il est vraiment facile. Je veux juste être moi, puis je veux voir si la complicité est là. Avec des gens qui comme, il n'y a pas de time frame. Hey, hey! La gang! J'arrive avec mon chariot d'alcool. On voulait instaurer une tradition cette année. Quand j'arrive avec un chariot, c'est qu'on a quelque chose à célébrer. Damn! Là, je vous entends déjà. Fred, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, Mamadou, vous avez un nouveau coloc! Les applaudissements n'étaient pas... Le nouveau coloc arrive avec sa valise et l'immunité pour la prochaine élimination. Là, je compte sur vous pour bien l'accueillir quand même. Oui. Prenez des petites consommations, profitez-en. Puis lui, il va arriver un petit peu plus tard. Merci. Voilà. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Fred, il est coq à l'os, man. DJ, la musique, musica, por favor. Est-ce que vous avez vu à quel point que tout le monde était speechless? Fouah, les boys! Les boys sont dit, ok, il est chaud, big. Oh my god, Mamadou débarque. J'ai peut-être l'impression qu'il nous a peut-être pas remarqué. C'est vrai, il est allé voir les boys direct. Je pense même pas qu'il nous a vus, en fait. J'ai été transparente pour un petit boulot, il m'a même pas regardé. Allô? Allô? Mamadou. Enchanté. Mam, dépose ton sac. Mamadou, dépose ton sac. Mamadou. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? On jouait à un jeu, on a inversé les rôles, fait que là, il fallait placer les filles de 1 à 6. Fait que là, c'est genre, c'est qui est la plus susceptible? Là, on les plaçait toutes. Après ça, ils font, OK, c'est au tour des gars d'aller se placer. Là, la question, c'est qui vous pensez qui a le plus de chances dans la maison avec les filles? J'aime pas ça, conflit, whatever. Fait que je vais juste aller en troisième. Je fait, bon, ben, le troisième gars, fait que Mamadou, va falloir que tu quittes. Oh, t'allais? J'ai viré ma photo de bord, je pensais que je partais. Jure. Gros, le feeling qu'il devait avoir. J'en ris en ce moment, c'est tout sauf drôle, mais foi, man. Ici. Good guy, Mamadou, man. Ce serait mon chum dans la vie de tous les jours. Demain, à Occupation Double. Est-ce que je peux couper votre conversation? À mon tour, un moment donné aussi, là. Qu'est-ce que c'est ça? Alexa, il m'intimide un petit peu. Ouf. Genre, là, faut que je... Ouf, son regard, gros. Alexa, il m'intimide un petit peu. Ouf. Genre là, faut que je me confirme. Ouf! Ça voulait tout dire. Écoute, j'ai quelque chose. J'espère que vous avez aimé l'épisode, guys. Likez la vidéo si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Bonne soirée.